Aujourd'hui, le mood, il est bon. Parce que le temps, il est bon. Tu captes pas. Mathémat. Problème, j'ai plus trop de mélanine, j'arrive plus à bronzer. Je crois que j'ai atteint mon quota de soleil cette année. Bon, direction prendre mes glaces. Je sais pas, il est où le carrefour? Vous me demandez souvent, je sais pas c'est quoi le nom de ce carrefour. C'est le grand, genre il est sur la route. Et je vais acheter du gel douche et le Crest, il est très bien pour les dents. Il m'a grave blanchi les dents. Je suis à la maison, il n'y a pas d'eau. Il y a une coupure d'eau, donc je suis obligée d'attendre que tout se remette en place. Je suis comme une ouf, j'ai attaché mes cheveux, en plus j'ai plein d'huile. C'est comment en fait? Genre là, je suis en train de me dire s'il n'y a vraiment pas d'eau toute la soirée ou je vais me boucher. Faut que je trouve une solution. Je suis comme une ouf. Je vois un peu un truc sur les réseaux sociaux, l'histoire de pastille bleue, pas pastille bleue, maintenant tu peux payer pour avoir la pastille bleue. Franchement, je sais que vous m'avez envoyé des messages en me disant que moi j'en pensais. C'est pas plus mal. On est tous les mêmes. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Que j'ai la pastille bleue ou que j'ai pas la pastille bleue, je m'en tape. Parce que pour moi, que ce soit pastille bleue ou pas pastille bleue, on a tous le même niveau. C'est pas une pastille bleue qui fait de moi une personne au-dessus des autres ou une personne plus que. Non. Tant mieux, ayez tous la pastille bleue, on est ensemble. Tout le monde est officiel. Vous pensez que vraiment, n'attendez pas à partir d'une image holographique, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, de faire de vous quelqu'un. Non, vous êtes quelqu'un à part entière et ça, ça ne fera pas la différence. Voilà, tout simplement. Donc on est tous ensemble, on est tous égaux. On est tous on mange tous la même chose, on va tous aux toilettes, donc et s'il y a besoin, enfin s'il y a des personnes qui ont besoin de cette pastille pour flatter leur ego, pourquoi pas s'ils en ont besoin? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça me pose aucun problème, je m'en tape clairement, je vous le dis. Pastille bleue ou pas pastille bleue, c'est pas ça qui changera ma personne, vous me connaissez. Et moi, que ce soit moi ou vous derrière cet écran, on est au même niveau. C'est pas une pastille qui va changer. Donc voilà, profitez de votre vie. Attendez pas après une pastille bleue. Surtout, franchement, moi perso, je l'ai, tant mieux. Je l'aurais pas eu, ça m'aurait pas rendu malade, genre, pour vous dire vraiment. Tant mieux, mais sinon, ça change quoi votre vie, réellement? Donc kiffez votre life, on est tous au même niveau. J'ai aucun problème avec ça. Et puis voilà, et en plus, j'ai envie de dire... Il y en a qui se plaignent, mais combien ont payé pour avoir cette pastille? Bien, ont payé en soum-soum pour avoir cette pastille, même dans le monde de l'influence. Donc, faut arrêter de se plaindre. Voilà. Tout simplement, kiffez votre life. Et c'est pas un petit signe à côté de votre nom qui va faire de vous quelqu'un. C'est des dépenses inutiles. Donc, voilà. Kiffez. Le seul truc qui vient dans la pastille bleue, c'est que quand vous venez parler... Ah bah on savait, vu qu'on envoyait nos papiers, que c'était vraiment la personne de ce compte qui vous parlait. Parce que sans la pastille, t'as des fakes, t'as plein de trucs. Voilà. Voilà mon opinion sur ça. Et voilà, les réseaux, c'est des ouf. Sinon, certains influenceurs n'ont pas marre tous les 4 matins d'essayer de faire des bad buzz. Vous n'êtes pas fatigués. Sérieux. Qui fait votre vie, je sais pas. Tout pour faire parler de vous, mais... Enfin... C'est pas ça, la vie, en fait. Kiffez votre vie. Non. Je sais pas. Bref, encore une fois, t'auras toujours les haters qui vont détourner mes paroles et à dire, mais toi, pourquoi tu te mêles? Mais je fais ce que je veux, c'est mon snap. Vous avez pas compris? Je pense que... J'ai même vu des trucs, ouais, Sarah snap pas parce qu'elle est en couple. Non, je snap pas parce que ça me fait chier de snapper. Pour au final, des gens, ils détournent des choses. Ça ne m'intéresse pas. Et comme je vous ai dit, je protège les gens qui sont avec moi. Il y a des gens, ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Mettez-vous bien ça en tête. Et surtout que là, depuis, on va dire entre guillemets, mon divorce,
Ça m'avait beaucoup mangé le cerveau, les réseaux sociaux. Je prêtais beaucoup attention à ce qu'ils disaient. Et à un moment donné, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, la Sarah d'avant, c'est si elle avait envie, elle ne se sentait pas forcée de faire quelque chose. Et en fait, la tournure qu'a pris les réseaux sociaux dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, je snappais plus pour le kiff, je snappais parce que je devais le faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de revenir en arrière et de faire ce que j'ai envie, que ça plaise ou pas. De toute façon, ma team, elle est là et elle bougera pas parce qu'on se connaît et que je vous aime d'un amour incroyable et qu'à un moment donné, bah, j'ai envie de souffler. Donc, je reprends les snaps petit à petit. Là, bientôt, Inch'Allah, je vais reprendre mes snaps à fond. Je vais voir ma famille et tout. Je vais vous partager le côté familial. J'avais besoin de ce côté débandade après tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai supporté psychologiquement. Après tout ce que j'ai supporté, je pense que vous connaissez ma vie maintenant. J'avais besoin, ce besoin de souffler, de pas calculer, de faire des soirées, de rentrer, de dormir, de vraiment souffler. Genre être une personne normale. Et franchement, je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, comme je vous le répète très souvent, mais j'en avais besoin. Et là, bah, ça va être retour famille, mais en même temps, ça va être vacances aussi, hein. Je vais m'amuser quand même. Mais je pense que ça va me faire un plus grand bien de retrouver ma famille. Vraiment, il me manque énormément. Et même si vous avez l'impression un peu de dérailler et que vous en avez besoin, comme je vous l'ai dit, faites-le. Mais après, revenez aux sources. Et les sources, c'est la famille et rien d'autre. Et je comprends certaines personnes, parce que j'ai eu beaucoup de messages aussi pendant ces, allez, 3-4 mois, de beaucoup de messages de gens, ouais, Sarah, tu pars en vrille, tu pars nanan. Je peux vous comprendre, hein. Je peux vous comprendre. Des fois, c'est même pas mal intentionné. C'est histoire de me reprendre et de me dire, bah, Sarah, à la base, c'était pas comme ça. Mais en fait, la base, vous pouvez pas savoir comment je suis quand j'ai une pelle de cœur, quand je suis ci, quand je suis ça. Donc, vous apprenez encore à me découvrir. Mais ouais, des fois, j'ai ce pétage de câble où j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de voir du monde pour pas laisser mon cerveau réfléchir. Et une fois que j'ai apaisé, tranquille, on revient tranquillement. Sarah est toujours là, c'est toujours la même. C'est juste que c'est des caractères différents que vous ne connaissez pas. C'est des réactions différentes par rapport aux situations différentes. Et j'avais besoin de ce pétage de plomb. Donc, puis voilà. Maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai freiné un peu. Ce soir, je sors. Ça va me changer les idées, mais... Ouais, il y a des matins où je me suis réveillée, c'était dur pour moi, genre. C'était vraiment dur. Là, je me confie à vous des choses que vous n'avez pas vues. Mais c'est vrai qu'il y a des matins où quand vous voyez sur Snap, vous dites, ouais, elle est forte et tout, nan, nan. Mais comme je vous ai dit, je ne montre plus trop tout sur Snap. Des fois, je pleure dans mon coin. Parce qu'il y a des matins, je me sens pas bien. Je pose des questions sur plein de trucs. Mais c'est normal. Je suis obligée de passer par cette phase-là pour remonter la pente. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je ne suis pas la personne parfaite, mais du moins, je sais quand dire stop à ma folie. Bref, en tout cas, voilà. Ce que je retiens de tout ça, c'est que ça m'a pas laissé le temps de réfléchir ou d'avoir de la peine ou d'être triste. À part, c'est vrai que certains matins, quand je te retrouve... Bah, seul face à toi-même, c'est compliqué des fois. Hein. Je reste un être humain. J'ai craqué plusieurs fois de ces 4 mois-là là, qui sont passés. Et ça me faisait du bien. J'avais besoin. Il y a des soirs, je sortais en soirée, je rentrais et je me mettais à pleurer ou à crier dans ma chambre. Mais ça me défoulait. Ça me défoulait. Je dormais, j'étais fatiguée, c'était comme ça. Donc, voilà, pour savoir un peu l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je veux juste être tranquille et kiffer ma vie tranquille. Et la vie est simple, pourquoi la compliquer? Et surtout, bah, ce que je tire de tout ça, c'est qu'on est des vaillantes. C'est que quand même, la femme est une vaillante. Vraiment, 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 vraiment. En tout cas, je sais que je reçois beaucoup de messages qui me disent « Sarah, comment tu fais? Comment tu fais pour remonter la pente ?» Je suis pas un robot, les filles, je vous jure. J'ai des peines où je me suis retrouvée à pleurer et c'est normal. C'est normal parce que tu te dis, regardez, moi je vais sur mes 31 ans et tu te poses énormément de questions et tu refais le schéma de ta vie. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais voilà,
Rien n'arrive par hasard. Tout est fait sur cette terre pour vous forger et vous rendre beaucoup plus solide de jour en jour, un peu plus. Mais voilà. Ne regrettez rien. Pensez à 10 fois avant de faire quelque chose. Comme ça, vous ne le regretterez pas. Sachez que c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, toujours réfléchir avant de faire des choses. Toujours poser le pour et le contre. Ne jamais avoir de regrets. Avoir des remords, peut-être de ne pas avoir fait ça comme ça, ou ça comme ci, ou ça comme ça. Et avancer. Le mot principal, c'est avancer, avancer. Que vous ayez de la peine ou que vous n'ayez pas de la peine. Aujourd'hui, j'ai appris à pleurer en silence et seule. Et à essuyer mes larmes et à sourire quand je passe la porte de chez moi. Parce que pourquoi, aujourd'hui, je sais que mon sourire et ma bonne humeur et ma joie de vivre apportent beaucoup, beaucoup à énormément de personnes. Et c'est ça qui me remplit le cœur d'amour. Et des fois, il faut juste savoir être égoïste et penser à soi-même. Parce que quand on vous blesse, il n'y a personne qui est en face de vous. Pensez à vous. Donc pensez à vous avant tout, que ce soit en amitié, en amour, en ce que vous voulez, en familial. Pensez à vous avant tout et à votre bien-être psychologique. Et une fois que vous aurez atteint ce but-là, avance, remets-toi en couple, refais-toi des amis, mais avant ça, retrouve-toi toi-même. Et les personnes qui t'entourent, si elles t'aiment vraiment, avec tes qualités comme tes défauts, et si c'est un vrai soldat à tes côtés, il restera là. Si vous les avez perdus en route, c'était juste des personnes qui devaient vous apporter certaines choses dans votre vie et se retirer sans rancune. Vous les avez aimés, ne jamais cracher sur eux. Et c'est comme ça, la vie, elle est comme ça en fait. Il faut arrêter de prendre les choses à cœur, même si je suis quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui est tellement vrai, qui prend tout à cœur, que des fois c'est très compliqué pour moi. Mais j'ai tellement mangé de gifles dans ma vie que ça y est, je crois, à un moment donné, on a compris. Et peut-être je vous dis ça et que demain, je vais être peinée, je vais me retrouver à pleurer parce que j'ai été déçue en amitié ou peut-être une fois encore en amour. C'est pas prêt d'arriver pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui s'appelle la vie. Et elle peut être belle comme des fois, elle peut vous faire penser qu'elle n'est pas aussi jolie que ça. Mais non, il faut juste avoir l'envie de se battre, avoir une ligne de conduite et un but dans la vie. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui va vous donner la force de vous battre. Et que, je vous jure, sortez et prenez la première personne inconnue. Bon, pas sur Paname parce qu'on est ronchon. Et tapez-lui un sourire. Vous allez voir que la personne va vous sourire. Et moi, c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai tout gagné. Voilà, principalement, je suis quelqu'un de solaire. Et on a voulu énormément de fois m'enlever mon sourire. Et on continuera, hein, puisque malheureusement, l'être humain n'est pas gentil, c'est pas le monde des bisounours. J'ai eu du mal à le comprendre, mais je l'ai compris. Mais en tout cas, je me battrai jusqu'à la vie, à la mort, pour pas qu'on m'enlève mon sourire. Voilà. C'était Frisou Time qui se confie à vous. Je vous aime et ne changez vraiment pas la personne que vous êtes. J'aime vraiment trop ce couple. Ça fait mignonne et en même temps, j'ai pas de cheveux sur le visage. Toujours la même adresse, les filles. Je vous la mets à Marrakech, c'est les meilleurs pour les brushings, pour les coiffures, pour ce que vous voulez. Et prenez votre rendez-vous vite parce que c'est plein. Ça veut dire si dans la journée vous faites votre piscine et tout, prenez votre rendez-vous avant d'aller à la piscine pour le soir. Comme ça, vous êtes calé parce que c'est la meilleure. Que tu prends la guerre, c'est Marseille bébé.